Hey, salut tout le monde, c'est Psycho. Et c'est tout le monde, c'est Tox. Nous voici dans le Troisième troisième épisode, épisode c'est de ça? Diablo De Diablo 3. 3. Vous avez vu quelque chose, mais en fait non. Vous aurez peut-être une surprise. On Attends, entre? arrête-toi. Attends. Alors en fait, déjà, il me semble qu'il y a des gens qui voulaient qu'on présente un peu plus le jeu, parce qu'on l'avait pas assez présenté. Ah oui. Bah Faut enfin, moi, présenter... dire qu'en gros, enfin présenter... voilà, en gros, quand vous jouez, vous avez le choix entre 5 personnages, donc le féticheur, le moine, le barbare, qui apparemment est la classe la plus loupée de tous, la sorcière, et Non, vas-y, fais attention. oui, attends, féticheur, moine, barbare, sorcière, Et le tireur de voilà, et le flèche. chasseur de démons, ou chasseuse de démons, ça dépend qui vous prenez. Donc voilà, et en fait, l'histoire, c'est juste que. Mais en fait, c'est une histoire relative à chaque perso. Donc là, celle au moine, vous l'avez vu au début. Et en fait, ça les emmène à une comète qui est tombée et qui a apporté le retour des démons un peu partout. Donc pour l'instant, c'est ça. Voilà l'histoire. Et puis après, bah, présenter le jeu, bah, voilà quoi. Ça, c'est un hack and slash, comme vous avez pu le remarquer. Bien un peu du style de C'est un hack and slash, ouais, tout simplement. pas du style de ce qu'on avait déjà fait là, Oui, Titan Titan Quest. Quest. Donc oui, en fait, comme j'ai aussi un autre perso, quand je drop des trucs assez cool, je me suis dit, bah, je vais quand même les passer sur le moine. Oui, vu qu'on s'est rendu compte que les objets, on l'avait déjà dit dans la vidéo d'avant, que les objets étaient C'est aléatoire, c'est pas forcément pour nous, quoi. Donc non, moi, mais qu'ils étaient, comme on dit, regroupés pour tous les personnages. ah non, pas forcément. Tu peux, non, les objets que je t'ai passés, là, je peux très bien les porter. Hein. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on pouvait se les échanger. Tu vois le truc? Oui, y a les comptes. Donc. J'ai chopé quelques trucs que tu peux ouvrir. Tu peux ouvrir. Qui se trouve ici. Voilà, donc déjà en fait t'as l'espèce de petite étoile là. Donc ça c'est voilà, pierre d'esprit, trop de dexté, c'est pas grand chose mais au moins ça te fait de l'armure Les en globes plus. de vie font récupérer plus 43 de vie. C'est plutôt intéressant quand même. Je me mets une étoile sur la gueule. Voilà. Et l'autre hache c'est ça. Voilà. Ça elle fait 2 à 3 points de dégâts, chaque coup rajoute 2 points de vie et 1% de mol de vie. Donc ça sert à remplacer l'autre. Qui est vraiment nul à chier. Voilà. Ok. Et voilà. Donc là, en fait, on va pouvoir aller chercher. Non, tu ne... Non, mais ça, c'est à la banque. On ira chercher plus tard. Ah, bah la banque Attends, au alors. départ, je me suis dit quoi? Tu veux que je t'encule? Non, mais Non, je représentais juste c'est un bizarre. anneau autour d'un Un anneau doigt. autour, tu fais un rond et tu mets ton Tu doigt dedans. Je suis désolé, ça peut porter à confusion. ne m'as pas compris alors. Donc voilà, donc là faut qu'on aille enfin aller voir dans la crypte du chancelier pour récupérer la couronne. Et il y a trois cryptes donc en fait on va tous les visiter. Ouais t'es comme ça, tu ramasses même pas les étages. Je leur casse la gueule avant de l'entrée. Ouais, Une hache fougueuse. Il y a des soupes, il y avait une salle là-bas que tu n'avais pas visitée. Faut tout visiter par-dessus, à gauche. Attends, quelle est cette hache fougueuse? Ouais. En gros, Comment? c'est la même hache que j'ai, sauf que il n'y a pas les bonus. Tu veux pas qu'on échange contre nos massues? Ben non. Ça fait moins de dégâts. Et t'as le vol de vie en moins. Mais on ça augmente un peu nos vitesses d'attaque de 3% quoi. Non, ça fera des dégâts en moins. La vitesse d'attaque est comptée dans les dégâts en plus. Et là, il y avait écrit moins 0,2 de dégâts. Donc tu fais quand même des dégâts en moins avec 3% de vitesse d'attaque en plus. Voilà. Bon, ok. Non, mais de toute façon, Hello, little. tu verras dès qu'on sera au niveau 10 avec les deux armes que j'ai ramassées. Attends, j'ai toujours la téléportation? Oui, toujours, toujours. Mais après, hey, j'ai testé les autres sorts un peu sur le moine parce que je me suis dit, tiens, je vais voir un peu ce que ça vaut. Et il y a quand même des trucs intéressants. Hein. Et au niveau des synergies, je pense que selon si par exemple on est dans un truc où il y a pas mal de monstres, il y a certains trucs qui sont meilleurs que d'autres. Hein. Comme Bah après, enfin, si je sais pas, ça dépend du style de jeu. Parce que là, t'as la téléportation pour te ramener directement au corps à corps. Mais tu peux très bien cliquer tout de suite prendre. Ah non, j'ai envie, parce que ça remplace. Le piqué, le dash. Ah non, le dash, non, c'est peut-être les coupons que ça. le truc où ça en foutait des claques dans tous les sens. C'est ça. Oh, je les avaler. Mandragore, les damnés.
Voilà, et c'est fait. Parce qu'après tu vois genre style dans ce genre là des fois le truc du bâton ça peut servir parce que tu peux te casser facilement quoi. Les mecs ils peuvent pas te stopper. C'est impossible. Le truc du bâton. Bah le truc où tu cours comme un dératé et tu fous des torgnoles à tout le monde. Ah. Bah c'est ça en fait tu voilà tu peux traverser les mecs. Le coup de pied, non, et puis tu Bah vois tu sur un... sais, vu les dégâts que je pose. Ouais franchement pour l'instant. Attends, c'est quoi déjà pour mettre la carte? C'est elle. C'est bon, j'ai fait les bons petits tours, j'étais pas sûr de moi. Si, si, mais tu verras, de toute façon, les donjons, c'est tout le temps comme ça. Oh mon dieu! Des... Oui, c'est un méchant. Non, je voulais juste voir la vitesse à laquelle il allait venir m'arriver dessus, mais bon, ça n'arrive pas là. Die, potatoes. Escape. Ah, trop bien! Un petit. Diable, t'as un. Mais tu fais quoi? Non, je crois qu'il y avait des tonnes derrière. Non. Puis moi aussi, on en a un. Tonneau. On sait jamais. Parce que là, ouais, ça fera même pas 5 minutes qu'on joue. Je pense que. Il y a peut-être moyen qu'on arrive jusqu'au boss. Jusqu'au premier Tout de boss. suite? Mais non, pas tout de suite. Vas-y, continue. Et c'est-à-dire qu'on aura pourra peut-être pas faire les autres cryptes? Question. Ah bah si, ouais si si là on... là en fait c'est vraiment du hasard hein, parce que là la première crypte qu'on trouve c'est celle du chandelier donc on va trouver directement la couronne. Mais on pourra quand même faire les autres. Bah oui on pourra quand même faire les autres c'est pas ça qui va nous empêcher. Heureusement, oui, on récupère tout ce qu'il nous faut. Mon dieu, que se passe-t-il? Oh mon dieu, non! Ah! Non, je déconne. Oh mais... C'est moi qui vient de me poser 5 de dégâts. Non, c'est des dégâts que c'est toi qui as posé du 50 critique. Putain, il m'a posé cher dans ce. Nouveau savoir. Ah oui, j'aime les nouveaux. Ah non, ça m'intéresse pas. C'est là-dedans? Ouais. Nouveau. Vous vous soignez ainsi que vos alliés proches. Donc voilà, donc c'est ta choix, soit tu aveugles, soit tu soignes. C'est ton style de jeu. Bah, sachant que on aveugle pas vraiment. C'est comme tu veux, écoute, Bah, hein. allez hop. Moi j'aurais pris le soin aussi parce que c'est vrai que le soin enfin, c'est pratique tout le temps quoi. Des fois on récupère pas forcément des globes de vie, puis quand on s'attend pas à ce que le mec soit si fort que ça, on se fait casser la gueule. Bon, allez. T'as l'impression que je me suis chopé un torticolis. Tout, je suis obligé de tomber en même temps que mon bassin, c'est assez chiant. On peut regarder aussi les objets qu'on a récupérés. Ouais, il y a le torse qui doit être mieux, je pense, et puis. Où c'est le torse là? Ben ouais. Ah ouais! Vas-y, prends-le. Clic droit, ça va marcher plus vite. Hein. Ça, non. Il y a un truc qui doit être pas mal, c'est prendre que des équipements qui rajoutent des chances de trouver des items. J'ai vu ça sur un forum, ils en parlaient. Il y a des mecs, en fait, bah oui, tu peux le changer si tu veux, parce que 5 5%. de vitesse. 5%, Ouais, on peut. voilà. Parce qu'il y a des mecs qui disaient que, en fait, sur tous les équipements, ils avaient pas mal de chances de récupérer des items. Du coup, la plupart du temps, ils récupéraient, enfin, sur des groupes de mobs normales, ils récupéraient des trucs jaunes ou bleus, quoi. Enfin, quasi tout le temps des trucs bleus, et puis des fois des trucs jaunes. Ah ouais, donc ça peut être Bah, je pense que ça doit être un bon moyen de se faire des trucs. Tiens, vas-y. Oh, ton sort est justement. C'est un invocateur. Donc toi justement t'as du doigt que moi je devais tous me farcir avant de pouvoir y accéder. Alors que toi voilà quand tu fonces directement dans le tas, tu te téléportes. Coup de pied. Un coup brutal. Vas-y. Bah attends, on peut te faire les tours en fait. C'est pas le boss hein. Oui, c'est le petit monstre là qui nous a attaqué là juste avant. Non. Oui non mais le c'était quoi, un semi-boss ou Non, c'était juste un monstre normal doré. Ok. Oh, qu'est-ce que c'est? Non, non, c'est pour revenir Ah à oui c'est l'entrée du vrai, donjon. tu as raison. Parce qu'en fait, les types de monstres, il bah, y a les monstres normaux, il y a les bleus, donc ils sont un peu puissants, et puis on drop des choses un peu plus intéressantes dessus. Et après, il y a carrément les monstres or, donc eux, c'est vraiment les plus intéressants, parce qu'ils sont beaucoup plus forts encore. Mais il y a aussi plus de chances de dropper des trucs dessus. Donc, moi, j'ai déjà droppé des items jaunes en rare sur les... Non.
Genre lui, bah là. Ah non, il est Ah, t'as déjà utilisé ton soin? Oula, je l'ai fait. Encore une setup flash. Voilà. Plutôt fort intéressant, dis donc. Alors, nous avons trouvé 3%. 4 d'intelligence, ramassage d'or et de globe de vie augmente de 2 mètres. Bah on s'en moque, l'intelligence, franchement, on s'en fout. Hein. Ça ne sert à rien. Enfin, c'est, sur ce perso, c'est inutile. T'as déjà commencé à créer des objets de ton côté? Bah, tu verras quand on retournera au village. J'ai la forge niveau 2. Faut peut-être récupérer la couronne, non? Je sais pas. T'as tué le mec, mais tu récupères la couronne. Ah oui, j'ai cru que je l'avais déjà récupéré puis qu'il voulait me tuer pour la reprendre. Non, non. Parce que si t'aurais suivi un peu le script, tu voyais qu'il y avait un bouclier, tu pouvais pas le prendre. Je n'ai pas. Let's go! Et là, tu vois, maintenant, t'as le petit portail qui va te permettre de rentrer en ville quand tu veux. Mais avant, on va visiter les autres. Avant de rentrer en ville. On va les repéter. Non, c'est par la droite. Hein. Ah oui. Autant pour moi. On entendu le bruit du corbeau? Ouais. On aurait dit un crapaud. Mais ce qui est bien aussi, par exemple, tu vois, c'est que plus tu montes de niveau, plus tu gagnes de sorts en même temps. Style, enfin moi je suis niveau 20, à mon niveau, à chaque niveau je gagne à peu près entre 2 et 3 nouveaux sorts. Enfin, entre 2 et 3 nouvelles runes sur chaque sort. Puis je continue aussi à débloquer des sorts d'ailleurs. Parce que si on avait déjà tous les sorts niveau 1, mais... on a récupéré une petite hache de bûcheron. Qu'on ne peut pas utiliser. Ah mais et des fois je récupère de ces trucs, si t'essayes une épée gentille dans Monster Hunter, les grosses épées. Ouais. Ma style, c'est une épée à deux mains comme ça, quoi. Ah ouais, quand même. Pour le barbare, c'est la tactique. Ouais, sur l'artbook, là, il est quand même imposant, le barbare, hein, on dirait. Ouais, mais apparemment, c'est la classe la plus nouvelle, quoi. Au niveau des sorts, tout ça, enfin, c'est pas génial. Ouais. Je les brûle tous, ça, c'est magique. Téléportation, c'est vraiment très... On dirait un vortex que je lui balance dans les dans la gueule. Bah c'est simple, parce que vu que tu te téléportes au contact. Waouh. Non, y'a rien. Ah, c'est vrai. Ouais. Je retourne en arrière pour faire les autres salles parce que là si j'ai loupé des trucs. À mon avis, c'est juste le mur que t'as oublié de raser. Il réduit quand même. T'as vu qu'on éclipse, ça c'est dégueulasse. Ouais, ça c'est chiant, c'est certains monstres. Enfin, ils te foncent dessus à 15, puis après, dès que tu commences à leur faire mal, puis ils se cassent tous par fond. Des petites balles. Ah, j'ai la téléportation. Je l'ai dit, ouais. Ah oui, ok. Comme t'étais sorti. Non mais ça va, tu peux déjà de bons dégâts. On dirait une salade. Ah ouais, c'est pas mal. Vas-y, fais le tour. Ok. Fais le tour partout. Parce que... Non, ce sera rien que tu les ouvres. Parce que ça en fait, ça va être vraiment une immense crypte. Mais je peux aller là-dessus. Attends, regarde la carte. En fait, je t'explique le truc. Ah pardon. Ça va faire tout le tour comme ça. Donc ça tu vas l'avoir là. C'est assez sympa de visiter. Okay. Et je peux prendre vas-y. Ça fait quoi? Oh là là, excellent. Oh, un piège. Voilà, il faut juste que tu survives pendant tant de secondes. Bon, ça. Bah ça. Où sont les gens, je les vois pas. Ah oui, t'en restes un, ok. Non mais ils arrivent à la fin, il faut juste que tu survives pendant un certain temps. Ah, c'est drôle. Regarde, tu vois, là, il y en a déjà plus. Et après, ils vont carrément dans les portes, mais c'est pas si bon. Profitons pour l'expérience un max.
va tenir des heures comme ça, quoi, tellement c'est facile. Et voilà. Maintenant, tu as gagné le droit de détruire, genre. Bon bah, tu vas pouvoir utiliser la téléportation. Non mais utilise la téléportation, couillon. Tu penses qu'ils vont rester là, les objets? Bah non, ils vont disparaître. Bah, si je, non mais je te dis de l'utiliser, c'est qu'ils vont pas disparaître. On sait jamais. Non mais... Je préfère déjà récupérer ça après le reste, on s'en... Non mais si je te dis que ça va pas disparaître, ça va pas disparaître. Mieux vaut être prudent. Non mais j'ai dû le faire une quinzaine de fois, toi. Et bah, moi je l'ai pas fait, moi. On ira parler avec Vignal plus tard. J'ai travaillé comme un damné. Ah, moi au début je comprenais un damné. Et je sais que c'est... Un damné. Parlons Ouais vas-y, tu peux, de toute façon tu t'en fous. Retrouver la couronne. Pour être honnête, je pensais pas vous revoir vivant. Ah le bâtard. Ah, il faut la réparer. Ça devrait pas poser de problème. Ça fait du bien de se remettre au boulot. Je peux quand même lui parler pour Et ah, voilà. Tu attends. Elle est aussi neuve qu'au couronnement du roi noir. Oh, j'ai yeah. besoin d'occuper l'esprit et fabriquer des peines n'occupe rien du tout. Je veux que ma vie ait un sens. Un désir légitime. Vous façonnerez les armes qui me permettront d'accomplir mon devoir sacré. Il impose quand même quand il parle. Ouais, ouais. Non, c'est... non, évite de parler à lui. Tu fais directement sur les étalages à côté. Ok. Voilà. C'est... Donc. Bah, tu détruis tout. T'es sûr, vraiment tout? Ceci ne t'intéresse pas? Non, 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 les trucs que je t'ai trouvés sont plus de son meilleur. Vends tout, je t'ai dit. Mais oui, mais ça peut être intéressant de regarder quand même, moi ça m'intéresse. Donc voilà, ensuite on va ranger dans le coffre. Ah, quand même, t'en as profité un peu, hein. Voilà. C'est ça. Arme de pugilat magique, ok, ouais, plutôt intéressant. Voilà. 1-2 de dégâts de feu, tuer tous les monstres sauf 3 plus 7 d'expérience. 1-2 de dégâts sacrés, 1,2 de dégâts infligés sont convertis en points de vie. Tu peux en mettre dans chaque main, tu vois. 18,2 de puissance. Et c'est niveau combien? 10. Et on est niveau 8. Et on est bientôt niveau 9 en plus. Ouais. Bah vas-y, prends les deux, et prends aussi l'anneau. Ah oui, j'avais pas vu l'anneau. Dis donc, on va s'amuser, les amis. Hein. Voilà. 10 de dextérité, 11 de vitalité, augmente la vitesse d'attaque de 4%, plus 3 de vie par victime. Je pense que c'est pas mal. Ça va être. Voilà, très, donc ça, c'est les trucs qu'on drop sur les boss. Très violent. Et moi, ça m'est totalement inutile. Alors, la vie que t'as perdu, c'est normal. Hein. C'est les plus 10 de vitalité, ça te fait plus 100 de vie, je crois. Voilà, je récupère. Voilà, voilà. Parce que ce qui est bien avec le moine, c'est plus tu augmentes ta dextérité, plus tu augmentes tes dégâts et tes chances d'esquiver. Enfin, ta dextérité augmente aussi tes dégâts, donc c'est pas mal du tout. On monte voir un peu par là. Ok, je le one shot. C'est ce que j'allais dire, mais tu fais disparaître. Die. Bien évidemment, on pourrait faire un rush des familles. Hein. C'est plus intéressant de tout visiter. Ouais, c'est vrai que ça n'a pas de grande utilité. Sinon, un jeu comme ça, si on visite rien du tout, puis qu'on avance comme ça. Hein. Comme ça, on pourra monter level 10 si on invite tout le monde. Moi, je pense qu'il y a moyen. Hein. Et donc, prendre les deux armes qui m'ont l'air affreusement. Ignoble, exactement. Non, sans déconner, ils ont l'air vraiment, mais absolument immondes, quoi. Ça va être un plaisir certain de jouer avec. Mmh.
défaire une de ces vitesses. Ah, j'ai débloqué un nouveau sort sur la sorcière. Finalement, avant que c'était juste le rayon glaçant, donc ça touchait les premiers ennemis, enfin seulement les premiers ennemis. Ça traverse maintenant ? Bah maintenant c'est un rayon de feu, ouais, des intégrations, tout, ça traverse tout le monde. Ah ok, ok, c'est plutôt ça avec une heure, c'est avec une rune que ça a augmenté ou... Non, c'est un autre sort. Ouais, c'est carrément un autre sort. Ok, donc tu dois un peu... Ouais, c'est pas mal, en plus maintenant je peux invoquer des hydres de feu. Ah non, ouais, mais, carrément. Non mais enfin c'est n'importe quoi le truc. Si tu veux, si je veux vraiment, mais vraiment faire chier le monde, je me prends le Nova de Glace qui permet de geler tous les ennemis qui sont autour de moi. Je me prends un bouclier de glace qui fait que quand ils me touchent, enfin déjà quand ils arrivent vers moi ils sont ralentis, et quand ils me touchent ils sont glacés. Il y a vraiment moyen de faire chier le monde. Bonjour, au revoir. Oui. Hello. Qui sont bloqués à travers. Je mets des petits coups de coude aux chauves-souris, sinon je suis un peu contre la biodiversité, tu sais. Plus c'est bien, tu casses tout, tu sais, t'es censé être dans un monastère, un truc comme ça, t'es un moine, t'es censé c'est un peu crypte, hein. T'es censé un peu respecter les trucs, quand tu t'en fous, tu dis tout, tu sais. T'as dû louper, t'en fais voir la carte. Parce que t'as dû louper un endroit là, t'as fait le tour et Ouais, je suis pas allé tout au bout de. Non, tout en bas. Ouais. Parce que normalement on aurait dû trouver, tu sais, le petit épée qui nous ramène. C'est M. Ouais, je pense que c'est par là. Ouais, ça doit être par là-bas. Parce que sinon on aurait trouvé le petit épée qui nous. Bah, je finis. Tu sais, tu t'en fous, hein, regarde le passage. On sait jamais. Ouais. Après une réflexion, non, je suis pas sûr qu'on a. Non, parce que ouais, le donjon quand même. Non. Ouais, il y a trois salles, je crois. Enfin, faut encore qu'on finisse ses cryptes, qu'on y aille. Après, je crois que faut encore. Ah non, parce qu'après on arrive direct. Ouais, mais c'est ça, je crois qu'il y a deux trois étages, voilà. Donc, dans cette crypte là? Non, pas dans cette crypte, non. Dans le monastère. Dans le truc, la cathédrale là. Ouais. Là où on va rencontrer le roi Léoric. Ah, bientôt level 9, qui veut dire bientôt level 10. Qui veut dire bientôt level 11, 12, 13, 14, 99. C'est quoi le level maximum? 99, je crois. Parce que tu peux pas aller à 100. Non, bah j'avais déjà essayé de taper dans les hôtels de vente 100. Or, tu ne peux pas taper 100. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'objet niveau 100. Et s'il n'y a pas d'objet niveau 100, ça veut dire que tu peux pas aller. Oh, la vitesse d'attaque est. Oh là. Insane! Allez, on va. Je me demande si cette vitesse d'attaque peut vraiment être admise, quoi. Mais je pense que quand après t'es en mode infernal, tout ça, que t'as des items monstrueux. J'ai regardé des bots qui faisaient 60 ou 50, je crois. Le truc, ça faisait plus 93 de dextérité, quoi. À 93, quoi. Oui, c'était des bots bleus, quoi. Ah oui, ok, donc les types. Sans amélioration, tu vois. Normal, quoi, les types. Mais le mec qui les a vendus à 500. À 500 ouais. 500 pièces. Ouais, 500 pièces. Et c'est niveau combien que tu montais, tu disais? 51. Wow. T'as le truc à récupérer. Tu peux attends, avoir... ça risque. Non, tu peux en avoir plusieurs la fois. Oh, bah... C'est le même. Donc, plus 20... en plus, c'est juste plus 25 de vitesse d'attaque en plus, donc c'est largement atteignable en plus. Hein. Bah, plus 25%. Peut-être pas bas niveau. Parce que c'est en fonction du niveau, la puissance de l'objet. Bah disons que je dirais vers le level 15, 16, 17. Non, je sais pas. Je pense pas, non. Non, parce que même moi au niveau 20, quoique.
Ouais, si, peut-être. Parce que, ben, Steam, tu vois, je regardais des amulettes. Il y a des mecs qui vendaient des amulettes plus 40 d'Intel. À que dalle, tu vois, à 100 ou 200 de thunes. Bon, après, c'est aux enchères, donc le truc que détient un truc. T'as tout le monde qui se surenchère, c'est n'importe quoi. Waouh, j'ai pas tout compris. Dès que je suis passé d'un level. Tout le monde est parti en arrière, ils ont tous crevé d'un seul coup. Ouais, bah c'est ça. Ouh, frappe Hitler. Frappe Hitler. Alors, nous possédons tuer des monstres, quoi, plus qu'être d'expérience, on s'en fout. Voilà, hop. Fais voir les sorts. Alors, on a. Frappe Hitler, vous vous précipitez sur un ennemi pour le frapper. Ouhou. Ensuite, on a ça. Nouveau. Étant la zone d'effet du deuxième et troisième coup. Bah, prends le voir pour voir ce que ça fait, tu sais. En gros, seulement. Non, non, hâte la rune, sinon ça sert à rien. Ah oui. Appuie voir sur mage. Mage. Voilà. En gros, ça permet de pas mal attaquer en. Quand il y a pas mal de monde. Après, je sais pas, hein, tu vois, quand tu regardes la déportation, c'est mieux parce que tu peux te rapprocher directement au corps à corps. Bon, après, ça va. Bah, je vérifierai en fonction de ce qui me plaît. Bah, essaye aussi la deuxième attaque. Bah, tiens, tu l'essaieras sur elle. Deuxième sort. T'as une deuxième coupe par ici. Ça va devenir un ennemi. Ah, ah bah ouais, finalement ouais, t'en as plus un quoi. Parce que si tu veux, tu peux te téléporter directement à lui quoi. Mais ouais, faut que tu gardes de l'esprit quoi. Parce que sinon, tu ne pourras point les utiliser. Après c'est ça, soit tu utilises de l'esprit pour te téléporter, soit... Ok, le mec, c'est normalement c'est un plus dur, tu l'as tout shoot. Tu l'as déboîté. Oui, je t'ai quand même mis sa race. Mais tu vas où? Ah oui, c'est vrai, on a déjà fini. On a déjà fini, hein. Ah oui, bah là, tu peux directement utiliser le portail. Pas celui-là. Il était pas grand du tout, quoi. Après, ça dépend, parce que comme c'est généré aléatoirement, on peut très bien avoir des trucs gigantesques et puis des trucs très petits. Je ferai d'ailleurs attention d'éviter de ne pas casser les objets que tu as... Ah, ouais, ça serait con. Ça serait con que je meure aujourd'hui, quoi, surtout. Hein? Oui. Ça. Que je te décapite. C'est ça le problème. C'est simple, soit avec les cadenas, tu lui fais quoi. Parfait, 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 parfait. Ça fait quand même pas mal de trucs à construire avec tout ça, hein? Ouais, ça c'est surtout. Bah, quand tu regardes les trucs de base, ouais, ça va, parce que ça en manque une petite 10, 15. Alors que après, les trucs rares, c'est plus 20. C'est plus important. C'est assez rigolo quand même. Tu lui parles à lui? Non, il y a un point d'exclamation, mais faut pas lui parler. Finalement, on va peut-être y arriver. Quand vous aurez trouvé le roi squelette, placez la couronne sur sa tête et anéantissez-le. Oui. Le roi squelette est au cœur de la perturbation de ce pays. Je vais mettre fin à son règne et retrouver le roi. D'ailleurs, je me demande, c'est tout le temps la nuit chez eux là ou. Ben, c'est un peu comme si les ténèbres les attaquaient, donc ouais. Ouais, c'est, je me disais ça aussi quoi. Oui, faut utiliser TP. Hein. Oui, oui, je sais. Non, c'est un peu con. Voir très pas là. Bah non. Okay. Tu prends le TPI, tu regardes à côté. T'as un petit sablier, ça t'indique où. Mon dieu. Mais l'intelligence, c'est pas très développé chez toi. Oh, ça va, hein. On commence à me refaire la morale et tout là. Et... Il t'avait déjà dit en plus qu'il fallait que tu sois plus gentil avec moi. Oui, mais j'en ai rien à faire. Je fais ce que je veux. Mais tu vas où?
La cathédrale. Mais t'es con ou quoi? C'est indiqué sur la carte. Hein, on va se calmer, hein, les. Oh, tu tires ou tu pointes? Les noms d'oiseaux, et moi, j'aime pas trop ça, hein. On va plutôt boire ton pastis, ça ira beaucoup mieux. Une épée craquelée. Et allez, mes amis, nous sommes partis. Oh mon dieu, ma qu'est-ce que c'est moche. Peut-être que j'arrête de prendre cet accent. Et que tu bouches ton gros cul et que tu ailles ouvrir cette putain de porte. Et moi je détruis tout sur mon passage. Ce qui ne sert à rien d'ailleurs. Voilà, belle porte. C'est pas une porte de pédale, hein. Ça c'est sûr. C'est parti, mon ami. Cathédrale niveau 2, et voilà. Oh yeah. Ça sert à rien. Fais plutôt les coups de pied si tu veux détruire. Plit-il? Bam. C'est bien ce que je pensais. En fait, on peut vraiment tout détruire. Bah ouais. Mais c'est juste que comme toi, tes sorts, enfin ça sert à rien que tu t'arrêtes à chaque fois que t'appuies sur mage, tu penses pas forcément le faire. Je crois que t'as une grosse bébête derrière toi. Mais non, il m'a l'air tout sympathique lui. Pourquoi tu veux pas? Ah oui, j'avais les doigts décalés, autant pour moi. J'ai cru lui rentrer dedans, mais en fait j'ai utilisé mon sang. Ça sert à rien, tu détruis, et puis si tu veux les détruire, fais-le à coup de pied. Pas les trucs où tu peux interagir. Mais non, mais il y avait les tonneaux à côté. Mais les tonneaux, tu les fais au point normal. Et le truc où tu es obligé d'appuyer sur mage, tu balles. Tu vois à quel point il est chiant quand même, hein. Tu cherches un peu aussi, hein. Ah oui. C'est bien, ça la dash, mais ça a plus aucun dégât, et ça c'était même pas, c'est un peu inutile en fait. Oui. Je pense qu'après il y aura peut-être des améliorations qui feront des ondes de choc. Voilà. Mais j'espère parce que. Non, c'est rien, juste un gros. Je n'ai plus assez d'esprit. Après, faudrait... ça serait bien de trouver aussi des items qui régénèrent ton état. Ton esprit, je sais pas comment ça s'appelle, tout ça. C'est l'esprit. Descends les escaliers. Descends par les escaliers. Ok. Tu vois bien que ça s'arrête. Ce que j'avais déjà vu, bah, style sur le chasseur des démons, t'as des trucs comme ça où ça régénère ta haine. Donc là, il doit y avoir aussi des objets spécifiques. Bon, après, des fois, ils sont pas vraiment très très bons. Ouais, bon, faut trouver des trucs qui tiennent la route, quoi, sinon... À mon avis, là, tu vas avoir droit... Attends, pardon. Tu vas avoir droit à la mode gros pâté, style tu vas avoir un gros machin comme ça, avec là une petite entrée, ou aussi une petite entrée. Ah ouais, donc je vais m'amuser à faire le tour du truc... Je pense, ouais, je pense. Style écolier, quoi, qui va faire un tour... De toute façon, t'as pas trop le choix. Oui. Et oui, oui. Si on peut trouver à la sortie. Allez, bim, les trois chaises d'un seul coup. Ouh, ils ont l'air un peu méchants. Ouais. Pourquoi tu les tapes là? Qu'est-ce qu'il a fait, hein? Ah oui, oui. C'est drôle. J'ai failli mourir.
Oui, première fois qu'on commence à se prendre un peu trop de... Mais après, tu peux utiliser tes potions en appuyant sur Q. J'ai remarqué aussi, enfin, quand je jouais avec... Tu vois, je crois que je peux... Le 2 ne sert pas vraiment à grand chose. Parce que tu dashes, mais tu... Bah, je pense qu'il faut faire... Ouais, c'est comme tu veux. Tu lui fais aucun dégât, donc je préfère encore utiliser ce truc-là, quoi. Donc... Ça, c'est mieux. Attends, la force... Tu vois, là, par exemple, la force, elle agit pas dans les dégâts. C'est ça que je comprends pas. Il y a que la dextérité qui fait des dégâts pour le mage. Enfin, pour le vieux papy. Bon, moi même pas. Donc, non, parce qu'en fait, si tu veux... Regarde, attends. T'as... pour chaque classe... Pardon. T'as des stats, ici, des attributs, comme ils appellent, qui augmentent tes dégâts. Donc, tu vois, ça augmente tous les dégâts infligés par le chasseur de démons, les moines, de 48%. Parce que t'as plus 48. Et ça augmente aussi si t'as la chance d'esquiver de 4,4. Ah, donc ça veut dire que si... Donc, t'as 1000 de dextérité, t'as plus 1000 de... plus 100% de dégâts, quoi. Ouais, c'est ça. Mais bon, faut les avoir. Ouais. Tu vois, là, par exemple, la force, c'est que pour les barbares. L'intelligence, c'est pour les sorciers et les féticheurs. Et la vie, c'est pour tout le monde. Attends, j'ai oublié de mettre les... Ce truc-là, il est mieux. Bah, paf. Ouais, 0,5% de protection, ça ouais, vas-y. Ça aussi, je comprends pas. Donc, en fait, tu vois, lui, par contre, chez lui, la force, ça augmente sa défense. Oui, d'accord. Ça ne monte pas les dégâts, mais ça augmente la défense. Et puis, je préfère les petits vortex, tu vois, une petite attaque comme ça, là, je trouve ça plus rigolo. Ouais, c'est plus rapide. Ouais, c'est un peu... C'était l'œuvre de Lazare, j'en suis certain. Lui seul avait l'oreille du roi, et il murmurait d'une invasion de la maléfique, instillant le spectre d'une attaque imminente venant de l'Ouest Marche. Trop froid pour oser s'élever contre l'archevêque, les conseillers se rangèrent obséquieusement à ses mensonges, et signèrent notre arrêt de mort. Tan-tan-tan. C'est pour faire l'air un peu style... Non? Non, je réfléchis, je pensais à autre chose. Attends. D'ailleurs, ah non, mais j'allais dire qu'on allait peut-être bientôt augmenter notre level, mais... Ouais, non. On va dire qu'on va plus passer notre temps à nous. Ouais, mais le problème c'est... Et que... après, c'est plus tu montes de niveau, plus c'est chaud de monter. Hein. Oui, oui, genre, je le conçois. Wow. Lui aussi il peut te faire jeter. Parce qu'en fait si tu veux chaque monstre, enfin les monstres qui sont en bleu et en or, ils ont des pouvoirs. Donc il y a renversement, il te fait gicler, t'as les murs, il crée des murs et il t'enferme, c'est un peu con. T'as comment dire la téléportation, donc il se téléporte à toi, t'as un autre type de téléportation, c'est lui, enfin il te téléporte vers lui en fait. Oh, vas-y hein, tu peux. T'avais des gens vers là, c'est mieux. Ceci. Non, pourquoi? Non. Dans l'ordre des stats, c'est nul. Ouais, mais ça coûte un peu de protection, d'XP, non, c'est... Non. C'est dans ce cas, tu utilises. Tu dis qu'il... C'est le fantôme, je crois qu'il avait quelque chose. Ah, ok. Mec, on est pas contre toi, hein, tu sais. Ah non, en fait, c'était juste un aventurier. Il n'y avait qu'à faire gaffe, hein, on peut pas venir dans les temps. En même temps, un peu bête de s'attaquer à nous, quoi. Il voit les. Il n'est pas autant. Attends, façon, je suis pas descendu. Tu peux tout visiter. Attends, bon. Bah, autant on descend les escaliers maintenant. Oui, c'est vrai. Donc, il y a voir, disons-nous. Ça, c'est exactement la même chose, quoi. Ouais, ça arrive des fois. Bah, style, un coup j'étais dans des ruines dans le désert, et style, t'avais le même schéma qui s'était dupliqué au moins 5 fois en diagonale, quoi. Pour te dire que c'est généré aléatoirement, quoi. C'est vraiment bizarre. Puis, style, un coup, tu vois, c'était une grande carte dans le désert. J'arrive, je vais dans une ville. En fait, si tu veux, t'avais la carte, je vais dans une ville à côté, je vais dans. La map d'à côté, c'était exactement la même.
Ça donne pas de l'XP de détruire des tonneaux? Non. C'est bien dommage. D'ailleurs, on a... Ah si, on a tout visité. C'est seulement quand tu fais... quand tu joues style à partir de 5 éléments du décor en même temps. Mais c'est vraiment minime, quoi. Les... Ouais, jusqu'à 10 XP, c'est plus comme ça pour le... Pour des succès aussi, je crois, aussi dans les jeux. Hello you. Ça c'est beaucoup plus intéressant, je crois, que ce que nous attaque. En plus, elle les stun. Elle bah, les. Ça, ça leur arrête les attaques, quoi. Ah va détruire ça. Ah bon, pour continuer des. Ah bah ça peut être intéressant. Ouais, mais ça fait des petits squelettes. Ça aurait pu être drôle. Ah ben oui, parce qu'après t'aurais pu faire style enchaîner 30 ans de la vidéo. Ah bah tiens là, c'est juste à côté. De quoi? Bah là, oui. Sur la carte. Oui. C'est à droite là, sans... Donc si tu veux aller visiter autre chose, on attend. Oui, 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 oui. Qu'on ne loupe aucun point d'expérience. Bah tiens, tu peux utiliser pour te téléporter si tu veux. Non, j'ai utilisé pas mal de... Ouais, c'est pas très pratique. Non, il est pas super intéressant ça, hein. Franchement, je suis pas fan. T'as vu, on a... T'as un livre. Au retour de notre écrasante défaite en West Marsh, mon roi bien-aimé avait perdu tout semblant de raison. Il écumait de rage, nous agonisait d'injures, maudissait nos trahisons. À mon grand chagrin, j'ai dû le passer au fil de l'épée. C'est-à-dire qu'il a dû le battre? Ouais, il a dû le... Oui, il a dû le faire. Il y a encore quelqu'un? Ça va peut-être être un peu plus rapide, hein. C'est pas comme ça qu'ils vont réussir à nous tuer, je pense. Ah, niveau 3. Encore. Juste comme ça, combien a-t-il de niveaux en tout dans le... Ouais, non, en fait, on aura peut-être plus que ça. Oui, ils sont mignons, ouais. Mais qui s'attend? On aura peut-être plus que... Trois visages. Qui êtes-vous? Vous le serez bientôt. Aidez-moi à retrouver mon équipement et je vous récompenserai largement. Et quoi? Qu'est-ce qui vous amène dans cet enfer? Je dois détruire le roi. Alors nos intérêts convergent. C'est les mecs qui s'amusent à se cacher dans les tonneaux. Surprise. C'est moi. Bon, la porte est close. Bah voilà, hein, c'est ce qu'on fait quand une porte est fermée. Hein. On la défonce au coup de pied. Hein. C'est ça qui marche. C'est comme dans je sais plus quel film. Ah, c'est dans Sherlock Holmes 2. Je crois où à un moment le mec tombe dans le truc, dans une... mince. Dans un endroit où on faisait les télégrammes. Le truc qui se ramène, c'est fermé, de coup de pied, défonce la soirée. Toi tu fais scène de jour, tu t'éclates les pieds parce que toutes les portes sont semi-blindées, quoi. Ah bah t'as même pas besoin, tu sais. Et si je me téléporte, il me suit là, l'autre guignol? Bah oui. Bah non, faut que tu t'attends. De toute façon, tu t'en fous, hein. Vas-y, mais téléporte-toi au village. Je ne peux rien porter de plus. Ninja. Je fais la pose du ninja qui est en train de faire du yoga, tu sais. Tu l'as vu le merde. Le very bad blague quand on est au supermarché. Je ne sais pas me servir de cela. Mais qu'est-ce que tu fais, quoi, espèce de guignol? Ah oui, qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je fais? Mais Nicolas, oh là là. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Oh là ok, là. Il veut pas le mettre de l'autre côté. T'as ton torse aussi que tu l'as changé. Non, mais ben voilà, vas-y. Non mais faut les détruire. Pourquoi tu l'as changé?
Oui, il était bien. Oui. Mais oui, tu sais, les caisses. Et là, maintenant, je peux passer? Non, c'est une caisse moins de 10 articles et vous avez 11 articles. Bon, bah ok, j'en fais des déos. Et là, c'est bon? Non, c'est une caisse moins de 10 articles et vous avez 10 articles. Et si je prends le concombre et que je vous fous dans le cul, est-ce que ça marche? Là, je l'ai déjà vu. Tu l'as vu quand c'est ma première fois? Ouais. Mais c'est ma mère, je sais. Mais c'est mon chien, je sais. Mais non, mais tu t'attaques à un avion de chasse, là. Comment tu veux réussir après? Ça marche pas comme ça. On est reparti. Alors, c'était comment? Puis après, ils se mettent à chanter. Non, mais ils sont vraiment excellents. Mais franchement, moi, j'ai de l'art. I love you. C'était lequel avant le supermarché? C'est un téléporteur. Oui, ça s'appelle comme ça. Bah, parce qu'il peut se téléporter. Et tous les membres de son groupe aussi. Il allait chercher ses armes, c'est ça? Ouais, il faut que tu ouvres le coffre. Parce que sinon, il peut pas les prendre. Et si je le laisse ici? Tu peux pas. Je suis vraiment obligé d'ouvrir le coffre. Bah, c'est la quête principale, oui. Oui, il s'est caché dans un atelier, lui. Je sais pas comment il a fait, t'sais. Allez, ouvre-lui son coffre. S'il vous plaît, ouvrez-moi le coffre. On dirait un grand handicapé, t'sais. Je m'appelle Cormac. Je suis un guerrier de l'ordre des Templiers. Si c'est le roi squelette que vous cherchez, Jondar se dressera sur votre route. Nous devrions unir nos forces. Ouais, tu vois le petit Jondar. Ça sent rien. Ça sent rien. T'as le choix, soit à droite, soit celle-là, de toute façon, y'a rien. Soit c'est soit en haut, soit à droite. On va aller en haut. D'accord, combattons ensemble. Non, c'était à droite. C'est pas grave, ça me fera un TP. Mais ça, en fait, j'ai remarqué aussi, comparé aux autres hack and slash, par exemple, bah, dans Titan Quest, tu sais, quand t'avais battu un boss, suffisait de te déco-reco. Et puis après, tu pouvais le refaire à l'infini en spammant les donjons. Bah là, en fait, là, tu recharges la quête. Donc si, par exemple, le TP est un TP comme ça, comme on vient de découvrir juste avant le boss, et ben, en fait, tu reprends au début de la quête. Enfin, pas au début, mais juste avant l'entrée du donjon. Du coup, en fait, t'es obligé de te retaper. Ah ouais, t'es obligé de te retaper vraiment... Bah, tu peux pas sauvegarder juste à côté, quoi. Pas bien, dire en même temps... Oh, j'ai vraiment des bruits de pédé. Il ressemble à rien. Bon, rien du tout là? Non, non, rien du tout. Là, ils ont peur quoi. Allez. Ah bah la porte leur est là. Leur magie noire nous barre la route. Mais la volonté d'un templier est plus forte. Bon, bien, vous n'aurez pas vu la volonté d'un templier parce que Tox a tout balayé et puis il s'est cassé. C'est génial hein. Ah oui. Bon. Espèce de gros boulet. Boulet. Oui, oui, tu es un templier, blablabla. C'est bon, tu peux tuer les autres. Allez, je suis désolé. Tu n'as même pas eu le temps de finir ses paroles, tu sais. Détourne, détruis. Eh non, mais c'était pas ma faute. Merci de votre aide. Je vais vous accompagner dans votre poursuite du roi squelette. Mais à une condition. Non. Si nous trouvons les écrits sacrés de mon ordre, ils sont pour moi. Vos livres n'ont pas de valeur pour moi. Et là tu mets oui. Parce que c'est un templier. Et attends, regarde là, après tu cliques maintenant là-dessus. Et là, c'est mon copain. Donc là, à n'importe quel moment de la partie, tu pourras. Oups. Et oups. Tu pourras. Bah, déjà, choisir son sort. Soit il nous rend des points de vie, soit alors il hurle quand ta vie descend trop bas. Pour les points. Bah, non, déjà qu'on se régénère, mais qu'il nous redonne encore des points de vie. Ouais. Bien choisi. Et là, à n'importe quel moment, tu peux lui enlever ça et lui mettre n'importe quelle arme. Enfin, pas n'importe quelle arme, c'est spécifique, mais tu peux quand même lui donner des armes. Donc, s'il y a une arme, les armes qui sont plus intéressantes. Bah tu regardes, ça fait celle-là. Celle-là est meilleure. Non, celle-là. Tu peux pas. Car c'est barré.
Ok. Nous sommes tous deux bénis alors. Puis plus tard, enfin là tu peux aussi lui donner des bijoux, des anneaux, mais bon. Ouais, vu que pour l'instant toi t'en as déjà pas, hein, tu vas déjà te les garder, je pense. Mais je vais éviter de lui donner. Oh mon dieu, nous sommes arrivés. Non. Encore un niveau 4. Un puissant ennemi se dresse devant nous. Tu parles du squelette en bas là? Ouais. Ah ouais. Je vais rire. You make me smile, man. You so funny. C'est quoi ce qu'ils ont là? C'est des boucliers, du coup en fait ça bloque certaines de tes attaques au corps à corps. Oh. Hello, you want to do anything? You can. Bon après évidemment comme tout compagnon il fait chier le monde en gueulant des phrases toutes les deux minutes quand il se passe quelque chose. Mais il est pas mal, il est pas mal. Disons qu'il est rigolo quoi. Donc qu'est-ce que c'est que ça? Bah vas-y prends, ça te rajoute de la protection en plus. Après tu verras quand tu auras tes deux armes de niveau 10, tu auras vraiment l'air stylé. Ouais, faut... va par là. Bah, t'as le choix. Parce qu'après là tu auras vraiment des armes de moine si tu veux. Là c'est des gros motions que tu portes comme ça, c'est des trucs de barbe. Hello. Bon, ok. Bah oui, hello quoi. Les mecs tu sais, tu leur laisses pas le temps de faire quelque chose quoi, tu les tues direct. Hein. Si tu veux qu'ils disent. Ah, ils m'ont parlé. Descendre la montagne, je suis là. Par contre, j'ai bien envie de voir le roi scorpion comme il. Enfin, le roi squelette comme il va, le roi scorpion. On va retourner la momie, c'est un peu. Les dégâts qui comptent nous faire, parce que vu ce qu'on pose, il y aurait moyen que. T'as le choix, 100 euros, 100 à droite, 100 euros. On va le faire durer jusqu'à ce qu'on arrive. Enfin, jusqu'à ce qu'on finisse. Parce que sinon, en fait, on devra recommencer cette partie. Oh, ça me dégage. Tu comptes faire quoi là? Si je les laisse faire, ça fait quoi? Ça invoque des monstres. Donc ouais, je disais, comme en fait on se déconnecte en général aléatoirement, on va faire cette étape là. Et voilà. J'essaie d'évaluer le nombre de nos. Non, tu pourras pas lui donner. Dommage. C'est que les armes à une main qu'il peut porter. Et au corps à corps. Donc tu pourras pas lui donner l'arbalète ou un autre truc. Ça, ce sera des autres classes. Vas-y, tombez. Boum. Bouffe. Ça continue encore. Ah ouais. Ah mais c'est vraiment. Non mais cherche pas. Tellement de trucs à visiter. On est arrivé. Non, on est même pas arrivé de là quoi. On est arrivé de la porte bleue. Ah ouais, donc il y a moyen que ça fasse le tour. Ah, y a moyen. Oh là là. Là. Il serait vache mais y a moyen. Mais après tu vois, tu retrouves quand même des types de sols caractéristiques. Puis dès que t'arrives au bout. À mon avis, la porte de droite, elle va rejoindre par le haut.
totalement inutile. Ouais, mais le chandelier il tombe sur personne, tu sais. Je pense que le temps que tu trouves la porte, tu vas passer une vis. C'est vraiment sympathique. Et fort drôle en même. Va derrière. Non mais derrière là, t'es pas qu'à à gauche là. Oui, si, si. Bon, y'a rien. Mais... juste pour visiter. Là. Oui, bonjour, vous pouvez visiter le château. Mais quand même, attends, t'imagines une cathédrale de cette taille là. En tout, c'est plus une cathédrale quoi, c'est immense, qui est souterrain qu'il y a. Bah, déjà avec des niveaux ouais, de cette taille là, ça me paraît déjà un peu bizarre. Mais bon, heureusement, c'est fantastique. Quoi. Des petites... Ah, salut toi. Mais t'avais pas des trucs comme ça, ce que je me rappelle... Si, j'en avais. C'est bien normal, c'est des gentils, hein. Poupée Wanga, c'est quelque chose. C'est pour les fêtes du jeu. Mais tu peux quand même te TP parce que tu n'as plus de place. Toi, va-t'en. Mais téléporte-toi, couillon. Ah, c'est rigolo. Une poupée mais vaudou. Une poupée vaudou. Poupée vaudou. Le mec il attaque avec de la vaudou quoi. Mais non, mais c'est juste il la tient dans sa main. Puis ça lui donne un bonus. C'est comme moi, tu sais, elle tient un livre. Ou alors une boule magique. T'as une petite ceinture. Hein. Avec autant que ça, franchement, faudrait que je regarde comment tu as déjà créé des objets ou pas. Oui, t'as juste besoin de ça. Utilise un peu de thunes aussi. Ah, si tu utilises un peu de thunes, ouais, je me disais, va par le haut. Attends, j'ai d'un remonte au-dessus. Coucou, son frère qui se ramène. Le coup, tu sais, tu l'as fait imploser hein, le truc, donc tu l'as fait exploser. Putain, mais c'est chiant, c'est que. C'est pratique la téléportation. Il avait une épée à deux mains magistrales, le démon, juste dans lui, tu vois, tu compares sa taille et la taille de l'épée. C'est pas trop possible. Il avait bien des démons à la taille. Là, ça aurait touché en plus, tu vois. Bon, eh bien, on va visiter un peu par le haut. Là, tu y es, ouais. Puis après, on reviendra par le milieu. Ouais. C'est tellement énorme. Et déjà, la sortie ne peut pas être au-dessus, parce que sinon, t'auras un petit symbole. Là, c'est juste les bibliothèques. Qui ressemble étrangement aux autres. Ouais. Oui, yes. Bon, on est plus ça. Mon dernier témoignage d'honneur à mon roi m'aura valu de vivre un supplice éternel. Car alors que nous le couchions dans son caveau funèbre, il reprit vie sous la forme d'un répugnant démon squelette. Gorash et mes autres chevaliers succombèrent immédiatement à ses coups. Mais moi, je continuai à me battre. Si là il nous sort, mais je suis quand même mort au combat. Et comment tu fais pour écrire ton livre? Non mais oui, c'est ça, le mec, bah pareil, j'ai un coup, c'était un pire de ton qui disait « Ah, je n'aurais jamais dû venir ici, tous mes compagnons sont en train de mourir, et je crois que ça va bientôt être mon tour. Je sens déjà que je suis en train de défaillir. » Mais
Mec, si tu sens que t'es en train de crever, pourquoi t'écris quoi? Enfin, je sais pas. Mec, t'as décelé sa peau, faut que j'écris. Ce qui va prendre des failles, c'est qui sait qu'il va mourir, donc ça sert plus à rien. Ouais, non, mais t'imagines, on est en train de te transpercer le bide. Ah, je vais défaillir. Attends, juste deux secondes, finis mes lignes. Non, c'est pour la postérité, hein, ça va vendre super cher dans un ciel. T'imagines le scénario là? Un mini coffre. Tu vois, il y a 15 000 monstres, il dit pas un mot. Il y a un vieux mec qui sort des tonneaux. Pour la gloire! Ce qu'on appelle la vaillance. Ah, plus que deux. C'est quoi ça? Oui, c'est parce qu'il y a des nouveaux objets. Non, faut moins éventuer. Et tu peux revenir en arrière parce qu'il y a... C'est vrai qu'on leur pousse quand même des dégâts, c'est... On gagne plus c'est beaucoup, bon, hein, ouais. Donc, au niveau de l'XP. Oui, j'avoue que c'est pas non plus énorme ce qu'on gagne. Oui, tu sais, eux ils se prennent des étalages sur la gueule, ils souffrent alors que toi tu t'en prends, t'as rien du tout. Normal, t'as rien du tout. Ça y est, viens, t'es foncé. Porte à coup de poing. Non, pas des coups de poing, c'est avec le mental. C'était téléportation qui te faisait bien. Non, y'a rien. Ok, ça c'est pratique, il a beau attaquer les monstres, ah si quand même il l'attaque. Ah, le pauvre il peut pas faire tout seul. Hein. Les mecs ils se barrent, ils reviennent, mais c'est quoi l'intérêt de se barrer dans ce cas-là? Nul! Mais t'as raison, il va pas déconner. C'est long quand même. Tu disais? Ouais, c'est sûr, la sortie elle est là-bas, il n'y a pas d'autre choix de toute façon. Faut espérer. Perpicace. C'est la nuit, on est dans une cathédrale, la lumière passe pas à travers, on est au quatrième étage. Juste comme ça. Tu vas où là? Oui. Mais tu vas où? Monte. Oui, bah attends, je fais le tour. Mais t'as les escaliers, quoi. Oui, mais s'il y a des... Voilà, tu vois, style ça. Ah, ça, tu les escaliers. Alors, vendu 19, on fait boutique. Attention. Mec, tu demandes, mais du coup, ils ont quand même... Tiens, juste là, la sortie. Tu vois, donc ça sert à rien que je monte les escaliers. Ah si, pour aller voir ce qu'il y a au-dessus. Tu vois. Oh, comme il te bloque les attaques. Oh mon dieu. Et aujourd'hui, je maudis par le roi que je sais une fois. Les marques me rongent les yeux, me déchirent les entrailles. Mais je me refuse à mettre en péril ma belle Tristram si j'échouais avec mon ami. Je dois descendre. Oh. Moi de tous. Juste comme ça, il était en train de dire qu'il était en train de mourir aussi. Mais... Non, qu'il était maudit, qu'il allait descendre les étages pour mourir loin de tous pour ne pas affecter sa belle Tristram. Sa belle Tristram, qui est sa femme, je présume. Non, c'est la ville, le nom de la ville. Ah oui, c'est vrai.
Dis donc, tu suis plus que moi. Hein. Oh, allez, passe-moi cet étage qu'on en finisse. Enfin. Stop. Stop, j'ai dit. Voilà. Parce que ça va nous faire un peu plus d'une heure. Donc, on espère que vous aurez apprécié. Oui, non, mais je sais. T'inquiète, je n'attaque rien, je ne fais que faire des tours sur moi-même. Ma petite guignole. Donc, on espère que vous aurez apprécié cet épisode un peu long. N'hésitez pas à laisser des commentaires, vous abonner. Et. À mettre des j'aime. Ouais. Oui, des j'aime. Et on se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode. Ouais. Allez, à plus tout le monde. Salut. Hey, salut tout le monde, c'est Psycho. Et salut tout le monde, c'est Tox. Nous voici dans le deuxième épisode du workshop de Diablo 3. Donc on va prendre directement, allez, on va parler au lieu du papy. Oh, le papy.